Ah, on n'a pas bon là de travailler dehors. On a bien fait de troquer le canapé pour la nature. Ouais, c'est un vrai bonheur de lire dans les parcs, hein. Lire dans les parcs. Bah quoi? Un parc, bah, t'as vite fait un parc de tout, toi. Non, mais l'initiative lire dans les parcs, en fait, c'est une invitation à lire en plein air, tu vois. Ah donc si c'est un un parc ou encore une place de village, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, le mot d'ordre, c'est des lectures joyeuses et détendues à l'extérieur avec les enfants. Ah super. Ouais, mais s'il pleut. Ah bah s'il pleut, je sais pas, on se réfugie dans les bibliothèques par exemple. Ah donc c'est une initiative des bibliothèques locales. Ouais, en partenariat avec la province de Luxembourg et la bibliothèque centrale, elles essayent vraiment de concocter un programme varié et tu sais quoi, tout est gratuit. Ah, regarde par exemple sur internet, la bibliothèque d'Abbé, je pense, a installé sa cabane à histoire dans le parc du Châtelet. Ah oui, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs qui participe. La bibliothèque de Hotton, par exemple, égayera l'île de Launeu. Ah, la bibliothèque de Marche donnera des lectures comptées autour de ses locaux. L'ASBL Lire au fil de l'Ourthe a choisi, quant à elle, d'organiser des lectures à la plage de Maboge, à La Roche en Ardennes, ou encore dans un coin de forêt à Tenneville, ou encore à l'Arboretum Robert Lenoir à Randeux. Arlon s'installera au parc Gaspard. Étal a opté pour l'itinérance avec des lectures villageoises. Ouais, mais Stéphanie, je pense que le mieux, c'est que ceux qui sont intéressés aillent sur le site de la bibliothèque de leur commune et puis se renseignent un peu sur les actions qui seront en extérieur l'été, tu vois. Oui, mais regarde, la bibliothèque centrale de la province de Luxembourg a même préparé une liste de suggestions de jeux ou de lectures que chacun peut réserver et faire parvenir dans sa bibliothèque habituelle en une semaine chrono. Allez, lâche ton téléphone. Ah! Je t'avais dit lâche, pas lance. Oh, c'est dangereux la technologie, hein. Ouais, mais en même temps, ça se serait jamais arrivé avec un livre. J'allais pas lancer un livre quand même. Non, bah non.